Vendredi 7 septembre 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la carbone capable pour la dernière sortie téléjournal pour semaine si là. Mais principal point cap, nous fait essentiel journal pour matin pour nous faire connaître un premier ministre nommé M. Jean-Henri Seyan, déposé jeudi 6 septembre dans le Sénat, copie arrêté qui nommé liste membre cabinet ministériel accompagné avec dossier tout membre gouvernement. Les possibles dans le week-end là pour premier ministre nommé Jean-Henri Seyan à l'énergie. Sénat pour énoncer politique générale selon vice-président Sénat République la Pierre François Sildor. Inspection générale police nationale d'Haïti présentée jeudi 6 septembre bilan opération mois août là pour période la PNH la recevoir 72 plaintes et réaliser 499 enquêtes, recevoir 98 dossiers, l'ouvrir 85 enquêtes, isoler 2 policiers pour cause la mort, transférer 55 rapports enquête by direction générale police nationale là. Dans l'idée pour marquer 10 l'année existence, observation, pauvreté et exclusion sociale, responsable ministère planification et coopération externe réalisé une demi-journée étude dans Pétionville jeudi 6 septembre. Activité s'il a été réunie plusieurs économistes. Si ensemble pour savoir qu'un pilote qui a bien fait essentiel, le journal pour matin n'a pas vite arrêté, mais je n'ai pas tenu dans quelques secondes pour ne pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. N'a pas souhaité tout le monde bienvenue dans l'information. Chacun d'entre nous, c'est l'un samedi qui a démarré pour nous faire connaître un premier ministre nommé Jean-Henri Seyan déposé jeudi 6 septembre dans le Sénat. Copie arrêté qui nommé le liste membre cabinet ministériel accompagné dossier tout membre gouvernement. Vice-président Sénat Pierre-François Sildor dit commission cap analyser pièce membre gouvernement pour travailler pour vérifier tout dossier. Il est possible dans le week-end le premier ministre. Nommé Jean-Henri Seyan aller dans le Sénat République là pour énoncer politique générale. N'a pas invité au suivi. Un bout d'intervention, sénateur Pierre François Sildor. Ce matin, vers 11h seulement, que représentant Premier ministre a porté toute pièce et ministre. Malheureusement, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de communauté de copie. C'est qu'on y a fait. Mais les membres de la commission travaillent au niveau institution pour authentifier un ensemble de pièces et membres gouvernement que le premier s'envoie là. Parce que nous avons essayé de multiplier et ce commission, nous mettons l'autre membre avec membre de ce commission pour nous travailler un peu plus, notamment au niveau de 4 institutions que nous jugeons importantes, la Cour sur des comptes du contentieux administratif, la Direction générale des impôts, les archives nationales et puis l'immigration. Non, non, je pense que le week-end n'a pas essayé pour nous faire pendant le week-end. Je ne vais pas dire demain, mais n'a pas essayé pour nous faire pour le premier ministre pendant le week-end parce que nous avons énoncé la politique générale, là, nous avons copié déjà. Qui sont les énoncés politiques là? Brièvement, tout ensemble secteur. Par exemple, moi, c'est moi qui parle sur le dossier corruption, que je peux continuer de travailler sur lui-même. Lui toucher dossier économie et tout. Lui penser que toute croissance dans sa moelle est un petit peu faible, il parle de travailler sur lui-même. Lui toucher dossier santé, lui toucher dossier industrie, lui toucher dossier électricité. Ensemble de secteurs maintenant qui fait partie des 7 priorités du président Jovenel, il y a là-dedans. Mais ça, non pas, ouais, tout simplement, là, c'est que il n'est pas chiffré. Et non, c'est le président général n'a pas chiffré parce que il n'est pas grand budget lui-même que lui fait directement. C'est ça que fait me penser, lui dit. C'est à partir de budget qu'il a chiffré un ensemble d'actions pour le traduire de façon concrète la vision politique. Nous-mêmes, nous disons l'article 157 Constitution, dit pour être premier ministre, mais ça le dit. Mais l'article 72-1 dit pour être ministre, il faut. Même si il y a un contrôle qui fait au niveau de l'exécutif sur les pièces des ministres qui font maintenant le gouvernement, ça n'exclut pas la responsabilité du Sénat de la République et éventuellement de la Chambre des députés pour faire un travail de contrôle. Et c'est ça qu'on a fait, nous. N'a pas toujours été au niveau de Parlement ici en Amérique dans la Chambre des députés pour nous faire connaître plusieurs députés qui font partie du groupe 16 dans la Chambre des députés a fait connaître au pape voté en faveur du premier ministre nommé Jean-Henri Seyan pour façon de dire que le cabinet ministériel l'a monté. Député Sinal Bertrand Kabel décolle pour apporter plus de précision au micro-fédéral confident, nous suivons ensemble.
moi-même et pas gain pour m'opiner sur cabinet ministériel, ça pas intéressé du tout, mais sauf que réaction député Sinal voit autoriser pour saluer n'a joindre dans séance et pour ratifier premier ministre. Un et groupe 16 sont un groupe lié qui beaucoup inscrit, qui beaucoup et comme un bloc politique. Et, mais cependant, on a gagné des positions contradictoires dans. Cependant, si je dis qui bon m'a voté, moi m'a dit vote moi c'est contre lié, ça me répond pour moi. Mais en dans groupe 16 ans, est-ce qu'on a dit faut que tout le monde vote contre? Mais pour le rester pour chaque monde dit qui j'ai pour le voter. Groupe 16 n'est pas capable de faire une lecture accablant de un cabinet ministériel, un cabinet ministériel avec de monde qui était en frein de la loi. Maintenant, plaise à M. Jean-Henri Séan, s'il voulait passer dans l'histoire comme un monde respecté et respectable, pour que d'ici à quelques jours avant cette séance, s'il y a possibilité de remédier, eh ben, c'est à M. Séan lui-même pour le tirer la conclusion. Notre information dans le journal la plateforme Femmes Soleil Levé. Dans l'occasion rentrée officielle, l'école a encouragé le président de la République, la Jovenel Moïse, pour continuer à accompagner les parents. Une façon pour faciliter plus les gens à l'école pour l'année académique 2018-2019. La coordonnatrice de la plateforme, Bernadette Lucien, qui a exprimé la situation sociopolitique du pays, a demandé aux parlementaires de ratifier dans ses politiques générales pour le ministre nommé Jean-Henri Séan. Saint lui apporter plus précision à micro Colo et Lézère. Nous considérons l'école d'ouvre patrie depuis lundi 3 septembre et parents ont l'autre fois encore trouvé une grosse difficulté pour envoyer petit à l'école. Nous garder la vie chère à valer terre chaque jour, bon Dieu mette, et maman, papa petit, papa, bat de l'eau encore pour faire bien. C'est peut-être ça, nous-mêmes, plateforme Femmes Soleil Levé, qui gagne là-dedans plus passé 140 organisations femmes. Après, vous voyez bien haut pour demander au président pour prendre des mesures pressées pour la population en Caralé en souffre. Et nous demandons pour les députés et les sénateurs d'agir vite dans la ratification du premier ministre, le sénateur Jean-Henri Séan. Comme ça, le pays va prendre direction institutionnelle pour lui permettre le pays à prendre un chemin de progrès. Toujours dans ce qui concerne l'information, dans l'idée pour marquer 10 l'année existence, observation, pauvreté et exclusion sociale, responsable ministère de planification et coopération externe a réalisé un atelier de travail dans Pétionville jeudi 6 septembre. Activité Sarah qui était réunie, plusieurs économistes avec les citoyens ont réfléchi sur la situation socio-économique du pays. C'était l'occasion pour membres observatoire de présenter le bilan de travail. On a invité au suivant ensemble avec Johnny Abikaseus. Un reportage. Observation pauvreté exclusion sociale, c'est une entité dans le ministère planification et coopération externe qui l'a pour chercher information sur conditions mon vivre dans le pays, analyser données et puis transmettre rapport yo by autorité concernée. Pendant 10 années d'existence, observatoire a déjà produit une soixantaine de rapports. Sur le coordonnateur Pierre Jaurès Mira. Pierre Jaurès Mira expliquait observation pauvreté et exclusion sociale là, fait rapport sur ça, il constatait seulement. Selon lui, travail va permettre l'État haïtien de garder des conditions socio-économiques de la population et une façon pour être capable de poser bonnes actions de développement dans la zone qui puisse nécessiter. Directeur général du ministère de planification et coopération externe, Stevenson Jacques Timoléon, félicitait même UOPESIO pour l'engagement. Il encourage yo continuer travail pour permettre l'État haïtien gain donner dans main li pour permettre condition la vie moun yo changer. Activité ça té occasion pour membre UOPESIO porter lumière sur une série de travail y a réalisé. Nous parlons d'informations qui concernent les collectivités territoriales pour nous faire connaître le sénateur sud-est là, Dieupi Chérubin, qui c'est tout premier secrétaire sénat, encouragé exécutif là, mettre plus l'argent pour les collectivités territoriales pour faciliter magistrats à Kazek avec Kazek, un jeune moyen pour faire développement dans la localité. Parlementaire a souhaité dans le prochain projet loi financement, le gouvernement pour capable de pencher sur la question. Si là, sénateur Dieupi Chérubin dit la paix, continue à faire plaidoyer dans sa salle pour capable de jouer l'argent pour exécuter une série de projets dans la vie de suivre. Nous voulons attirer l'attention pour ne pas venir avec elle sans ne pas tenir compte de collectivité. Dans l'année qui passe là,
yo di ap mette fond dans budget pour yo. Len al gade, nou jwenn pa de rien qui inscrit dans budget pour section communale yo. Mes amis, si yon pays li constitué de 10 départements, c'est pour nous garder, pour nous dire, n'a pas divisé sa pays à gagner, même l'organe doit considérer un département par rapport à taille, deux fois l'autre. Ou dit, ou ap fait par 11, ou bien on prend l'autre qui était trois fois, ou ap fait par 15, mais faut que nous apprenons à faire division, faut que nous apprenons à faire partage dans le pays ça. Collectivité yo néglige en pile. Et si vous besoin pays ça goûter dans ça qui passé ya, si vous besoin gè fond bagay qui équitable, ou obligé penser à collectivité territoriale yo. Je dis en, nous prenons courage nous à demain pour nous dire nouveau gouvernement à bon entendeur salut. Nous voulons prendre note que yo pas doué vini avec un budget sans yo pas dit combien cob qui dans budget a pour chaque section communale. J'en ai un dossier qui concerne les affaires sécurité pour nous faire connaître l'inspection générale de la police nationale d'Haïti a présenté hier jeudi 6 septembre en bilan opération mois août. La PNH la recevoir 72 plaintes ou les réaliser 499 enquêtes, recevoir 98 dossiers, les ouvrir 85 enquêtes et puis l'isoler deux policiers pour cause de mort. Et puis le transférer 55 rapports enquêtes dans la direction générale de la police nationale. La commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin fait connaître un total 490 dossiers qui traitaient sorti mois janvier pour bout mois août là et puis un total 612 plaintes. Porte-parole adjoint en promette police nationale a continué de travailler pour comme ça doit. On va vite suivre intervention Jean-Claude Benjamin qui est un ami de Stéphanie Chol. Quantité plainte que nous avons recevoir pour mois d'août là au nombre de 72 parmi raison qui fait mon dépôt de plainte, c'est pour abus de confiance, c'est pour agression, tout c'est pour mauvais traitement, également c'est pour dette malheureusement, deux pour persécution, quatre pour refus de prendre soin, quatre tout pour rétention de documents. Acte d'enquête que l'inspection générale réalise pour le mois d'août 2018, il y a un nombre de 499. Acte d'enquête, ça a réparti comme ça, 126 convocations, 109 auditions, 24 enquêtes de voisinage, 17 invitations, 17 confrontations, 9 médiations, 3 mesures conservatoires, nous avons 2 isolements et nous avons 3 levées de mesures d'isolement. Quantité de dossiers, effectivement, nous te recevoir, au nombre de, nous disons, nous te recevoir 72 plaintes, mais autre que 72 plaintes, ça, il y a 7 saisines d'office. Donc, saisines d'office, c'est que, c'est un bagage qui a fait, c'est soit que c'est l'inspection générale qui, lit tout saisi de lit, ou bien c'est une autorité qui relaie, qui dit, mais ça, nous tout saisi de lit. Il y a 11 rapports externes. Donc des rapports qui sortent dans les directions départementales ou du moins dans les directions centrales. Enquête qui est ouverte pour moi d'août là, il y a au nombre de 85, tandis que rapport d'enquête signé et expédié au DGPNH, il y a au nombre de 55. Et comme nous dit déjà, nous avons gagné 2 mesures d'isolement. Nous avons 7 recommandations de mise en disponibilité, il y a 23 suspensions. Constatons qu'il y a 29 classements, donc il y a au total 29 dossiers qui ont été déclassés parmi les 55 et signés et expédiés au directeur général. Il y a tout 40 avis aux plaignants. Toujours dans ce qui concerne l'activité GPNH, là, dans le cadre d'activité inspection générale de la police nationale d'Haïti a réalisé, il a visité tout commissariat dans le département de l'Ouest et puis réalisé une séance sensibilisation pour 29e promotion en baptême, organisation ou voilà, fonctionnement GPNH, là, règlement discipline générale, droit moun, éthique et déontologie. Votre parole en après a fait qu'on ait réalisé une séance de travail avec un mini-juste. Sous droit monde les promettent c'est un sérieux appel continuer pendant l'exprimer satisfaction. Jean-Claude Benjamin mandé un autre côté pour directeur départemental de déployer toute force pour bon déroulement année scolaire. N'a pas vite au suivre. Quantité plainte que nous avons recevoir pour mois d'août là au nombre de 72. Parmi raisons qui fait mon dépôt de plainte,
gain c'est pour abus de confiance, gain c'est pour agression, gain tout c'est pour mauvais traitement, gain également c'est pour dette malheureusement, gain 2 pour persécution, gain 4 pour refus de prendre soin, gain 4 tout pour rétention de documents. Acte d'enquête que l'inspection générale réalisé pour le mois d'août 2018, il y a un nombre de 499. Acte d'enquête ça est réparti comme ça, 126 convocations, 109 auditions, 24 enquêtes de voisinage, 17 invitations, 17 confrontations, 9 médiations, 3 mesures conservatoires, nous avons 2 isolements, et nous avons 3 levées de mesures d'isolement. Quantité de dossiers, effectivement, nous avons reçu, il y a un nombre de, nous avons reçu 72 plaintes, mais autre que 72 plaintes, ça, nous avons 7 saisines d'office. Donc, saisine d'office, c'est que c'est un bagage qui a fait, c'est soit que c'est l'inspection générale qui well, tout saisit de lit, ou bien c'est une autorité qui relaie, qui dit, mais ça l'oué, nous tout saisit de lit. Te gen tout 11 rapports externes, donc des rapports qui sont dans les directions départementales ou du moins dans les directions centrales. Enquête qui est ouverte pour moi, d'août plan, il y a au nombre de 85, tandis que rapport d'enquête signé et expédié au DGPNH, il y a au nombre de 55, et comme nous disons déjà, nous avons gagné 2 mesures d'isolement. Nous avons 7 recommandations de mise en disponibilité, il y a 23 suspensions, constatons qu'il y a 29 classements, donc il y a au total 29 dossiers qui ont été classés parmi les 55 et signés et expédiés au directeur général. Nous avons gagné tout 40 avis au plaignant. Cette information dans le journal La Mairie Cité Soleil, by jeudi 6 septembre, par un élève à l'école qui vivait dans la cité, une assistance financière. Président conseil municipal Cité Soleil, Jean-Yslin Frédéric, fait qu'on a mis ça à gain pour objectif accompagner maman que papa petit en occasion de rentrer l'école. Maestra Cité Soleil a continué pour demander responsable dans l'État, continuer à faire travail qui rage dans la cité qui souvent causait des dégâts dans la période. Puis on peut vite suivre dans Mico Lunel. Jean-Louis Aker, Michel Joseph. Nous, nous-mêmes, en tant que responsables dans la commune Cité Soleil, nous ne pouvons pas quitter le moment ça a passé comme ça. Et malgré que nous n'avons pas de fonds dans la mairie, nous, pour nous relayer tous les parents de Cité Soleil, pour nous dire ce que ça nous a fait avec nous en tant que mairie. Mais heureusement, nous avons vu un fonds qui sortit dans la SMCRS pour nous faire un assainissement et nous transformer le fonds pour entrer à l'école avec les parents. Et nous estimons que là, nous avons besoin de droit. Parce que ce n'est pas parce que nous n'avons pas besoin d'assainissement. Cité Soleil, c'est une zone qui a besoin d'assainissement constamment. Une zone qui a besoin d'assainissement permanent. Parce que hier, et tout le monde est capable de comprendre ce qui s'est passé là, on a pu tomber de pas tomber Cité Soleil. Et ça fait tout le temps. Mais je dis, il y a des gens qui ne doivent pas t'avouer si vous êtes à l'école, peut-être un soulier qui vend 50 dollars, peut-être un soulier qui vend 100 dollars, peut-être un soulier qui vend 1000 gouttes. Mais je dis, le conseil communal de Cité Soleil là, permet que les gens, si vous êtes dans la nécessité de 1000 gouttes, par rapport à ça, nous prenons le bail, vous êtes à l'école. Et c'est peut-être ça, nous prenons ça, nous menons directement côté nous devons mener là. Qui se caille chaque grain citoyen, citoyenne, qui n'a nécessité pour te voir et à l'école. Parce que nous comprenons qui ça éducation vaut dans un pays. Donc, là, on entre l'école à fait, dans un pays, tant qu'à Haïti, dans une commune, tant qu'à Cité Soleil, côté majorité de monde pas de travail. Donc, je dis, un pile monde a venu dans la mairie pour dire, magistrat, rentrer des classes, rentrer des classes. Et je dis, nous fiers pour que nous livrions un bon de 2500 gouttes chacun. Pour que vous voyez les gens à l'école. Donc, je pense que c'est un ensemble de 300 personnes que nous faisons bon ça pour vous voyez les gens à l'école.
Notre information Institut international pour démocratie et assistance électorale présenté jeudi 6 septembre un document qui gagne petite contribution réflexion portant sur l'institutionnalisation du conseil électoral permanent en Haïti. Directrice IDEA en Haïti, Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, expliquait document ça à travers diverses recommandations à proposition de gagne la donne pour permettre réflexion faite sur le conseil et question conseil électoral permanent dans le pays. Il y a un de suivre. C'est au livret sous conseil électoral permanent. Comment machine électorale a fonctionné, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, il pral parler de tout ça, il pral faire des recommandations. Recommandations sous question contentieux, recommandations sous question bulletin de vote. Donc, là, nous pralouais préface là, nous pralouais que li absolument pas oublié rien. À quoi ce conseil électoral va devoir s'atteler, qui ça le pral joindre, qui ça le pral fait. Donc, ce livret, c'est cette contribution. Donc, pour le conseil permanent, la mise sur pied pour le conseil permanent, mais tout pour améliorer machine là, pour que son machine qui que y'a pas remettre en question à chaque fois que gagne élection. Toujours dans le même dossier, si la directrice IDEA dans le pays Paraguay, Lourdes Gonzalez, qui a participé dans l'activité, si la expliqué façon diverse l'autre pays habitué à gérer dossier élection et formation conseil électoral. Lourdes Gonzalez fait référence à trois modèles conseil électoral, coup conseil qui monte avec seulement monde qui fait partie du gouvernement, conseil mixte qui composé avec représentant gouvernement et puis l'autre instructif indépendant. Ensuite, conseil qui est composé avec seulement professionnels qui sont dans la société civile. On a pas vite au suivre. Il y a trois modèles d'organismes électoraux. Il y a le premier modèle qui est l'organisme de gestion électorale gouvernementale, mais ça se passe plutôt en Europe. C'est contrôlé d'une manière centrale par le gouvernement. Deuxième modèle mixte. Il y a une structure indépendante du pouvoir exécutif et il y a une autre structure qui dépend du pouvoir exécutif et qui contrôle. Et le troisième modèle qui est le plus intéressant pour notre région, c'est le modèle élection organisée et contrôlée par un organe indépendant. C'est ça qui est le plus intéressant parce que les démocraties modernes fonctionnent bien quand il y a des organismes électoraux indépendants et qui n'ont un rapport hiérarchique ou de tutelle avec le pouvoir exécutif et qui ont, comme Mme Lassègue vient de vous dire tout à l'heure, un budget séparé. Exemple, Burkina, le Costa Rica, l'Estonie, la Géorgie. Mais attention, dans certains pays, surtout dans notre continent, il existe deux organismes indépendants qui s'occupent d'un côté de l'administratif, de gérer les élections, d'organiser les élections, et de l'autre côté, et le contentieux. Et les exemples dans notre région sont la Jamaïque, le Mexique, la République dominicaine, même le Pérou. Et il faut comprendre que la manière dont on gère les élections, ça dépend du contexte. Mais ce que les bonnes pratiques internationales après 50 ans d'études nous montrent, c'est qu'il faut avoir un organisme permanent, un organisme indépendant et un organisme autonome pour assurer le bon déroulement des élections. Dans l'actualité internationale, nous prenons un pays Brésil pour nous faire connaître une situation difficile dans la campagne pour l'élection présidentielle. Dans le pays Brésil, après le candidat extrême droite là recevoir un coup de couteau dans la vente pendant l'état fait campagne, Foula poser la patte sur le responsable Zaxila et puis remettre les bails à la police militaire pendant les faits connaître agir sous les ordres bon Dieu. Plus de détails dans le pays pour nous suivre, c'est dans la prochaine édition journal sur télévision. Et c'est là tout le journal à Kaba pour matin, mais juste avant nous aller, nous rappelons ensemble point qui était fait essentiel. Premier ministre nommé Jean-Henri Séan déposé jeudi 6 septembre dans le Sénat, copie arrêté qui est nommé liste membre cabinet ministériel là, accompagné de ses tout membres gouvernement. Il est possible pour week-end ça, pour premier ministre nommé Jean-Henri Séan aller dans le Sénat pour énoncer politique générale, selon vice-président Sénat Pierre François Sildor.
L'inspection générale de la police nationale d'Haïti présentée jeudi 6 septembre un bilan opération li mené pour mois août là pour période là PNH la recevoir 72 plaintes, li réaliser 499 enquêtes, li recevoir 98 dossiers, li ouvrir 85 enquêtes et puis li isoler deux policiers pour cause la mort et puis li transférer 55 rapports enquêtes dans direction générale de la police nationale là. Dans l'idée pour marquer 10 l'année existence observation pauvreté et exclusion sociale, responsable ministère planification et coopération externe réalisé un atelier travail dans Pétionville jeudi 6 septembre. Activité si là et réunit plusieurs économistes. Nous t'écoutons ensemble avec vous pour jeudi et vendredi 7 septembre 2018. Là, nous avons souhaité tout le monde passer un excellent week-end. Nous avons cassé rendez-vous pour lundi matin pour la prochaine sortie télé-journal. Et surtout, nous avons invité à rester branché pour suivre la reste programmation sur la télévision nationale d'Haïti. Bonne suite de programmation sur la écoute.